compétition, ça fait partie de la vie. C'est normal qu'il y ait une compétition entre les hommes, les femmes. Il y a des compétitions dans les clubs de sport ou dans les sociétés de chasse. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de compétition dans un parti qui est éminemment une affaire humaine. Mais cette compétition, elle doit connaître un certain nombre de règles. Et c'est ça le sujet du parti. Et ces règles, c'est éviter les phrases assassines, éviter le concours de petites phrases vachardes, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas une logique de surenchère, de fuite. On voit un parti en décomposition en réalité, où la bataille entre les personnes devient une guerre, où aux idées se substituent les fuites. C'est insupportable. On voit le bilan désastreux de la majorité. Il y a alors un devoir d'opposition. L'opposition, elle doit être organisée. Cette organisation, elle s'appelle l'UMP. Elle peut avoir un autre nom. Ce n'est pas l'essentiel, mais aujourd'hui, c'est l'UMP. Prenons. Et il faut alors un président. Il y a une élection. Je suis candidat.